TV est à la place Ville-Marie, plus précisément au 40e étage des bureaux de Lavery pour les soirées Startup et Croissance, où plus d'une centaine d'entrepreneurs ont pu réseauter et créer des liens avec de potentiels partenaires d'affaires. On est présentement dans mon super beau bureau ici à Place Ville-Marie, au 40e étage. Pourquoi Lavery a décidé de s'impliquer? Bien, premièrement, Lavery essaie d'encourager la communauté start-up, d'une part, ne serait-ce qu'à travers des initiatives comme celle-ci ce soir, puis notamment aussi à travers un programme qui encourage l'entrepreneuriat et qui vise à les accompagner. Donc, on a parmi nous des clients, des amis, des collaborateurs. Et parle-nous un peu de la communauté de start-up qu'il y a à Montréal. En fait, c'est une scène très dynamique qui a certainement besoin de se rassembler pour justement échanger des idées, faire des contacts, du réseautage. Parle-nous du département Startup chez Lavery. En fait, on a un programme pour l'entrepreneuriat, donc on appelle le programme Go Inc, qui vise à accompagner des entrepreneurs qui ont des projets qui sont porteurs avec des gens qui sont dynamiques. Et notre objectif, c'est de les accompagner dans leur démarrage et les amener à une ronde de financement. Donc, au niveau légal, on met à leur disposition des ressources, du temps, de l'énergie, et on les accompagne, ne serait-ce qu'en mentorat, et non pas simplement dans la livraison de services juridiques traditionnels. On va au-delà, et c'est un peu l'objectif du programme. Pourquoi c'est important pour vous en tant qu'entreprise de faire partie de la soirée? Nous, notre firme IJW Capital, on a mis en place un programme de start-up. Et c'est important pour nous de rencontrer la communauté montréalaise des start-up, rencontrer les meilleures start-up de Montréal. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et à long terme, comme entreprise, qu'est-ce que vous bénéficiez de tout ça? On a un programme de start-up pour aider les jeunes entreprises dans leur croissance. Notre but, notre objectif, c'est de bâtir des relations avec de jeunes entreprises, trouver les meilleures et à long terme, progresser vers des séries A, des séries B de levée de capital. Qu'est-ce que ça vous fait de voir une soirée comme celle-ci? Ben écoute, je commence à être plus vieux que la majorité des gens qui se retrouvent dans la salle. Alors, c'est très intéressant de voir l'énergie qu'on retrouve ce soir. Tu fais partie de la soirée en tant que startup. Qu'est-ce que ça t'apporte? We're a tech hub for startups, but what it gives me is a lot of hope for the future where there's so much interest coming from the corporate side and they're not necessarily so much aware of the startup world, but events like this are a great way to go and introduce the startup world and the ecosystem and get more awareness for these events so that they can come and just learn about the space, come and check out the space, and if they like it, maybe get more involved in it slowly at their own pace. Parle-moi des soirées Startup et Croissance. Donc, aujourd'hui, notre soirée, c'est vraiment de connecter tous les intervenants du milieu des startups, tant au niveau du milieu corporatif, les banques, les avocats, les comptables, les étudiants et les entrepreneurs, tous ensemble pour pouvoir faire des mariages puis augmenter la valeur des entreprises. Donc, c'est vraiment pour aider tous ceux et celles qui débutent et qui aimeraient avoir à petit prix des connaissances ou bien des gens pour les épauler. C'est bien important, quand on pense de prix, de penser aussi en termes de qualité. Donc, tous les intervenants ici offre des services de très haute qualité. Donc, oui, le prix est un facteur, mais la qualité pour le prix est vraiment exceptionnelle. Parle-moi de la communauté Startup à Montréal. C'est assez grand et ça n'arrête jamais de grandir, ça. Donc, c'est vraiment une industrie en croissance. Puis aujourd'hui, on a vraiment la chance de pouvoir voir cette effervescence. Et chez Lavery, justement, ils sont extrêmement connectés avec les entreprises présentement. Donc, c'est vraiment une industrie qui est énergisante et vraiment passionnante. Qu'est-ce que ça donne à quelqu'un de participer à une soirée comme celle-ci? Donc, l'avantage pour une entreprise, c'est de vraiment rencontrer des fournisseurs et des partenaires financiers de très haut niveau. Ici, toutes les personnes sont des parleurs.